aurait cru qu'un jour l'Union européenne serait en capacité d'inspirer Hollywood? Alors certes, ça n'est pas encore tout à fait le cas, mais cela finira bien par advenir, tant la dramaturgie européenne répond aux standards du cinéma de genre à l'américaine. Bruxelles aujourd'hui, c'est un petit peu la tour infernale. Des gens bien sous tout rapport, réunis pour un grand cocktail à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, au sommet d'un gratte-ciel impeccablement conçu, sauf pour résister au feu. Et quand on est tout en haut, il faut du temps pour apercevoir ce que d'autres plus bas ont repéré avant vous, les premières flammes. Lorsque ça sent vraiment le roussi, il est déjà trop tard. Oui, mais nous sommes à Hollywood, ou à Bruxelles si vous préférez, et le pire n'est jamais certain. L'édifice menace de s'écrouler. Ouf ! Au dernier moment, l'édifice est sauvé, la suite au prochain épisode. Voilà à quoi nous avons presque fini par nous habituer depuis quelques mois. L'Europe navigue de sommet de la dernière chance en sommet de la dernière chance. Elle navigue, elle tangue surtout au large de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande. Elle prend l'eau du côté de Chypre, mais elle ne coule pas toujours sauvée in extremis. Alors comme d'habitude en pareil cas, il y a deux façons de voir les choses. Considérer que c'est la solidité de la construction européenne qui lui permet de tenir bon, ou bien que c'est sa fragilité originelle qui la soumet aux crises à répétition. Alors à la faveur de l'épisode chypriote, c'est une des questions que nous allons aborder ce matin avec deux observateurs aussi attentifs que critiques de l'Europe dans laquelle nous vivons. Jean-Paul Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite à Sciences Po, directeur de recherche à l'OFCE. Vous publiez au Lien qui libère le théorème du Lampadaire. Alors je vais essayer de résumer brièvement ce que c'est que ce théorème du Lampadaire. L'idée, c'est de dire que nous cherchons des réponses, alors en l'occurrence là, à la crise européenne, en nous contentant d'observer ce qui est mis en lumière par le passé. C'est pas forcément le bon endroit pour chercher. Ça vous va à peu près comme résumé? À peu près, ouais, tout à fait. Deuxième invité, c'est Jean Quatremer, bonjour. Bonjour. Journaliste à Libération, vous êtes le correspondant du journal à Bruxelles, où vous couvrez l'actualité européenne depuis plus de 20 ans. Et je suis là ce matin. Et vous êtes là ce matin, ça c'est très gentil. Oui, c'est vrai que d'habitude, quand on vous a, c'est plutôt par téléphone. On a la chance de vous avoir là. Vous tenez le blog Coulisses de Bruxelles, qui est hébergé sur le site de Libé, avec des propos souvent tranchants, qui vous valent aussi quelques petites remarques des internautes en ce moment. C'est sur Twitter, ce que vous avez dit sur Jean-Luc Mélenchon ne plaît pas à tous les tweetos. Et puis vous avez publié, alors entre autres ouvrages, Sexe, mensonges et médias. Alors on n'est pas du tout dans le sujet du jour, et ça a été publié aux éditions Tribune Libre. Alors je vais essayer là à nouveau de faire un rapide résumé de l'accord, puisqu'on va commencer sur la situation à Chypre. L'accord qui a été trouvé à Bruxelles dans la nuit de lundi à dimanche. La première banque du pays, Bank of Cyprus, est sauvée. La deuxième, Laiki, est mise en faillite. Les dépôts inférieurs à 100 000 euros sont garantis pour cette banque-là. Les petits épargnants sont donc, a priori, épargné directement, parce qu'évidemment il va avoir des conséquences économiques et sociales importantes. Les dépôts de plus de 100 000 euros seront ponctionnés d'environ 30%. Il va y avoir des réformes structurelles, des privatisations. Et en échange, le mécanisme européen de stabilité, avec une aide également du FMI, va fournir une aide de 10 milliards d'euros. Bon alors, est-ce que ça veut dire, Jean-Paul Fitoussi, qu'on peut être soulagé aujourd'hui, l'Europe est passée près du gouffre, Chypre également évidemment, et que ce matin on peut prononcer une sorte de ouf de soulagement. Vous parliez tout à l'heure d'Hollywood, peut-être vous auriez dû parler de Bollywood. Moi, tout ce qui se passe en Europe me fait penser à une conspiration des imbéciles. Et parce qu'effectivement, on intervient toujours trop tard, et chaque fois en donnant l'impression que la prochaine étape sera encore plus grave. En gros, c'est ce qui se passe. Et là, on a été jusqu'au bout, j'allais dire un mot qui ne se dit pas en radio, mais on a allez-y, été, hein. On a été jusqu'au bout, disons, de la bêtise, pour sauver les banques, on rend aléatoire les comptes bancaires. Ouais, c'est quand même incroyable, parce que cela signifie que les gens ne savent plus exactement, compte tenu de la possibilité d'une taxation, ce qu'ils ont. C'était de la pure bêtise, et ça peut même aller jusqu'à quoi? De l'incompétence? Comment est-ce qu'on peut expliquer que on ait pu imaginer ça? Je pense que c'est de l'incompétence, ou c'est... je ne sais pas. Franchement, j'arrive pas, je ne peux pas me mettre à la place des acteurs. Mais je veux dire, il est évident que si on vous dit que la somme que vous avez sur votre compte bancaire n'est plus certaine, vous allez vous précipiter pour vider votre compte bancaire. Et pour le mettre là où c'est certain. Donc il est évident qu'il y aura, quel que soit le moment où on réouvrira les banques,
des sorties de capitaux de Chypre. C'est pas une bonne façon d'aider Chypre. C'est pas une bonne façon d'aider les autres pays qui ont des délicatesses avec leur système bancaire. Donc l'accord qui a été trouvé dans la nuit de dimanche à lundi ne permet pas de rattraper complètement cette erreur Non, elle ne permet pas de rattraper cette erreur. Elle permet de dire, voilà, l'Europe s'y est mise, l'Europe a travaillé, on a passé une nuit, on a trouvé un accord pour 100 000 euros, mais pour essayer d'épargner les comptes bancaires de 100 000 euros, mais ceux qui ont 150 000 euros ne seront pas épargnés, n'est-ce pas ? Jean Quatremer, c'est vrai qu'il y avait une forme d'irrationalité dans le plan initial qui consistait à taxer l'ensemble des dépôts bancaires à Chypre. On a du mal effectivement à trouver une explication à cette irrationalité. Alors est-ce qu'on pourrait se dire que c'était peut-être prévu, c'est-à-dire que aller vers l'extrême pour forcer, d'une certaine manière, les Chypriotes à accepter une pilule un peu moins amère que celle qui leur était promise au tout début? Si vous voulez, quand on parle d'Europe, on a l'impression d'être dans un État fédéral où Bruxelles peut imposer exactement ce qu'il veut aux différents États fédérés. On n'en est pas là. Et vous avez une monnaie unique avec 17 pays qui sont totalement souverains. Et c'est vrai qu'on peut leur imposer des choses, mais quand ils sont vraiment presque au-dessus du précipice, c'est-à-dire c'est un peu, vous savez, comme le coyote qui court et puis d'un seul coup, il dit tout va bien, puis il regarde et il tombe dans le précipice. Ça veut dire quoi? Que personne n'est responsable? Non, attendez, donc il faut à un moment ou à un autre, il faut essayer de convaincre les États. Effectivement, depuis le mois de juin dernier, Chypre a appelé au secours. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis juin dernier? Vous aviez un président communiste à Chypre qui a refusé qu'on vienne regarder ce qu'il y avait dans ses banques, qui a refusé de négocier tout plan d'aide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les Européens? On ne peut pas passer par-dessus un État qui est souverain, encore une fois, même si les souverainetés sont partagées, limitées. On a dû attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement. Et de fait, il est en place depuis 15 jours. Et à ce moment-là, depuis 3 semaines. Et à ce moment-là, on a pu commencer à négocier. Et je vous rappelle quand même ce qui s'est passé le 16 mars. Le 16 mars, Christine Lagarde, les Allemands, donc le gouvernement d'Angela Merkel, vient à Bruxelles en disant, voilà, il faut liquider les deux principales banques du pays, qui sont totalement pourries, c'est un problème bancaire, et donc il faut liquider ces banques. Et vous avez un gouvernement, le président qui était là, qui était dans les couloirs, hein, son ministre des Finances négociait, le président était là et faisait sortir régulièrement son ministre des Finances de la réunion de l'Eurogroupe en disant « ça, je n'accepte pas », a refusé qu'on liquide les banques. Alors on a dit bah, « donc dans ce cas-là, il faut taxer l'ensemble des déposants ». Ils ont taxé les déposants et en disant bah, « on ne touche pas en dessous de 100 000 euros ». Et le président a dit ah, « non, au-dessus de 100 000 euros, vous n'allez toucher que les Russes, bah, beaucoup de dépôts russes ». Et donc, il dit bah, « donc il faut toucher tout le monde ». C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas croire que l'Europe décide, l'Europe est incompétente. L'Europe, elle se heurte aux souverainetés des États. Donc, vous voyez, Jean Quatremer, il y a une responsabilité première qui est celle du gouvernement chypriote. Bien sûr, du gouvernement chypriote, c'est pas une responsabilité exclusive non plus. Vouloir imposer ou vouloir taxer des dépôts bancaires, c'est quand même ouvrir une porte qui est... C'est du jamais vu en Europe. C'est pas vrai. D'abord, c'est pas du jamais vu. Vous aviez une taxe en 92 de 0,6% sur l'ensemble des dépôts italiens. Après, je termine juste. Donc, 6 milliards, ce qui a rapporté 6 milliards d'euros au gouvernement qui était effectivement à ce moment-là en grande difficulté. Après 1945, il y a eu des impôts effectivement sur la fortune. Vous savez, moi personnellement, je trouve vos études un tantinet petit bourgeois, je vais vous le dire. Je trouve que ce sont les mêmes qui passent leur temps à dire il faut faire payer les rentiers, il faut faire payer les banques, il faut un impôt sur la fortune, qui poussent des hurlements quand on va taxer les comptes. Vous savez, moi, si demain la France est en faillite, globalement, j'ai participé à la France telle qu'elle est et qui a des déficits, qui a des dettes. Et que si l'État vient, je sais bien que l'État viendra peut-être sur mon compte en banque, c'est-à-dire une partie de mon compte en banque. C'est-à-dire, je ne crois pas que mes économies sont totalement sanctuarisées. Je n'y crois pas une seconde. Et ceux qui croient ça, croient à la poudre de perlimpinpin. Bon, donc on sait donc que si la France est en faillite, Jean Quatremer sera prêt à contribuer au redressement national. Mais pas vrai, j'aurais pas le choix. L'État change en permanence de politique. Je taquine un peu Jean-Paul Fitou. Si vous partagez ce que vient de dire Jean Quatremer ou pas du tout? Non. Il est plus petit bourgeois que moi. Oui, je suis plus petit bourgeois que lui. Je rappelle que lorsqu'on a mis en faillite Lehman Brothers, tout le monde a dit plus jamais ça, parce que les conséquences que cela a eues ont montré que le contribuable était mis à contribution beaucoup plus que si l'on avait nationalisé Lehman Brothers. Bon. Et là, on parle des banques, on dit que les banques sont responsables, ça c'était votre discours, et les petits bourgeois ne veulent pas entendre que les banques sont responsables, et on taxe les contribuables. Et donc, directement cette fois-ci.
On ne taxe pas les contribuables, on taxe les déposants. Les non-résidents pour la première fois. Jusqu'à présent, les non-résidents ont toujours échappé à la taxation. Là, pour une fois, au lieu de dire on va faire payer de l'impôt uniquement aux citoyens chypriotes, on fait payer de l'impôt aux déposants extérieurs. Je veux dire, il ne faut pas avoir d'hypocrisie. On n'a jamais voulu armer les législations fiscales. On n'a jamais voulu le faire. Il y a le Luxembourg qui s'en tire très bien grâce à ce système. Il y a le cas de l'Irlande. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas imposé des taxes sur les dépôts au Luxembourg ou des taxes sur les dépôts en Irlande. Le Luxembourg va très bien. Oui, le Luxembourg va très bien. Voilà, il va très bien parce qu'il profite de ce système. Il profite de ce système de concurrence fiscale sur la finance. Sur la responsabilité du gouvernement chypriote, Jean-Paul Fitoussi, c'est vrai qu'à l'origine, est-ce qu'on peut considérer que le mal vient de là, s'agissant de Chypre, ou bien est-ce que c'est un pays qui s'est retrouvé victime d'un système et de dysfonctionnement de l'Union européenne ? Je suis mal à l'aise chaque fois qu'on attaque un gouvernement. Non pas que je les aime tous, mais simplement que je me dis... Finalement, on attaque ses électeurs. Bon. Il fait une politique qui a eu l'agrément de ses électeurs. Donc, je me dis où commence et où finit la démocratie. Deuxièmement, on sait très bien que tout ça naît d'un vice de construction de la zone euro. Lorsqu'on crée une monnaie unique sans prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans tous les pays du monde... Eh bien, les gens empruntent dans leur propre, les États empruntent dans leur propre monnaie. Sauf en Europe. Vous empruntez dans une monnaie qui n'est pas vraiment la vôtre, puisque vous n'avez aucun contrôle sur la banque centrale. Donc, vous allez vous trouver dans la situation où de l'emprunteur en devise étrangère. Comme la situation des pays émergents. Ça ressemble furieusement à des situations de pays émergents. Ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe maintenant à Chypre, ça ressemble furieusement à cela. Donc Chypre est directement victime de ce défaut de construction de l'union monétaire. Tous les pays du Sud sont victimes de ce défaut de construction. Les seuls pays, enfin, du Sud et du Sud-Nord, si je puis dire. Il y a quand même les pays qui s'en sortent sont les pays qui sont créanciers du système. C'est-à-dire qui ont conduit jusqu'au bout une politique non coopérative de concurrence fiscale et sociale. C'est le cas allemand et c'est le cas d'autres pays. Jean Quatremer, c'est quand même compliqué d'aller à l'encontre de ce que vient de dire Jean-Paul Fitoussi, de ce défaut de construction et du fait qu'il y a une forme d'asymétrie États ne peuvent pas s'en sortir de la même manière au sein de l'Union européenne. Je ne vais pas nier qu'il y a un défaut de construction, et le défaut de construction, c'est le pilier, l'absence du pilier économique et de gouvernance politique. Ça me paraît une évidence totale, et les États doivent être quasiment précipités dans le gouffre par les marchés pour commencer à réparer, ce qui n'a pas été fait dans les années, à construire ce qui n'a pas été fait dans les années 90. Mais ce n'est pas une surprise, on le savait déjà dès le vote et la ratification du traité de Maastricht. Bon, pour ça, oui, c'est évident. Mais moi, je n'aime pas cette façon qu'on a de dire au fond, les États sont assez irresponsables. Dire que ce n'est pas de la faute de l'euro, ce n'est pas de la faute des grands méchants marchés, ce n'est pas de la faute des gens à l'extérieur qui sont là et qui accablent les États. Je veux dire, Chypre, c'est quoi ? C'est quand même une économie casino. C'est quand même une économie qui a accueilli tous les fonds du Liban. Je termine juste simplement. Une économie qui a accueilli tous les fonds sales russes, libanais, etc. Et qui a choisi comme modèle de développement un modèle uniquement bancaire sans créer d'industrie grâce à l'euro où ils avaient des taux d'intérêt parmi les plus bas du monde. Et ils n'ont pas profité pour construire une économie en état de fonctionner. À France Culture, il est 8h16. Nous parlons ce matin de l'affaire chypriote de construction européenne en compagnie du journaliste de Libération Jean Quatremer et de l'économiste Jean-Paul Fitoussi. Caroline Fourest, que vous avez entendu tout à l'heure à 7h15 pour Son Monde Selon, et de retour pour participer à la discussion. Et comme chaque jour à 7h06, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Hervé Gardette. Reprenons le fil des événements si vous le voulez bien. Depuis le haircut, la décote si vous préférez Hervé, sur la dette grecque intervenue à la fin 2011, les banques chypriotes étaient dangereusement fragilisées. Elles avaient en effet été encouragées par leur gouvernement à prêter de fortes sommes à Athènes pour des raisons politiques. Elles ont donc dû, comme on dit, prendre leurs pertes. Or, les services bancaires constituent l'une des principales activités de l'île qui s'est spécialisée dans l'accueil
des capitaux russes. Pour des raisons d'optimisation fiscale, comme on dit pudiquement, de grands groupes sidérurgiques en particulier paient leurs impôts à Nicosie. Il faut dire que le taux d'impôt sur les sociétés y est particulièrement attractif, 10%. Pas étonnant que les dépôts des banques chypriotes soient estimés à 130 milliards d'euros, soit 7 à 8 fois le PIB de l'île. Pas étonnant non plus que les Européens voient depuis longtemps d'un mauvais œil ce micro-État, également spécialisé dans le pavillon de complaisance, pratiqué de manière aussi éhontée le dumping fiscal. Les banques chypriotes, soutenues depuis des mois par les BCE, étaient en bout de course. Il leur fallait un crédit d'urgence estimé à 17 milliards. L'île a attendu, pour en faire la demande officielle, le résultat des élections présidentielles du 24 février dernier. Or, il y a aussi des élections cette année du côté du principal bailleur de fonds de l'Europe, en Allemagne, où depuis des mois, le SPD reproche à la chancelière de faire preuve de complaisance envers les banques chypriotes et leurs riches déposants russes. Aussi, Angela Merkel a-t-elle été incitée à la fermeté. Avec le soutien de la France, Pierre Moscovici a parlé d'une économie de casino. D'où la ligne générale de la Troïka envers Nicosie, aide-toi, l'Europe t'aidera. L'UE a accepté de prêter 10 milliards si Chypre participait au sauvetage de ses propres banques à hauteur de 5,8 milliards. Car il devient difficile de faire avaler au contribuable allemand qu'il va devoir assumer les folies d'un paradis fiscal. Comme l'ont souligné tous les commentateurs, c'est en bonne logique aux actionnaires d'encaisser la mise en faillite d'une banque, puis aux créanciers obligataires. On a préféré dans un premier temps s'en prendre aux déposants, en conseillant de viser les plus gros d'entre eux, russes donc pour l'essentiel. Les Européens préconisaient en effet une taxe de 12,5% sur les dépôts supérieurs à 130 000 euros. Ils se sont heurtés au refus du président Anastasiades d'accepter tout prélèvement à deux chiffres. Du coup, est rendue publique le 16 mars la décision aberrante de taxer tous les déposants, les petits à 6,7% et à 9,9% ceux qui seraient supérieurs à 100 000 euros. Par bonheur, cette décision qui n'avait pas la faveur de la Troïka a été retoquée par le Parlement de Nicosie. Mais le mal est fait. Le tabou de l'inaliénabilité des dépôts bancaires en Europe. C'est un gros mot, Brice. Oh, au micro France de France Culture. Quelle honte. Je le reprends, Hervé. Le tabou de l'inaliénabilité des dépôts bancaires en Europe est tombé. On peut s'attendre donc à un bank run, une course des épargnants vers les guichets pour tenter de sauver leurs économies dans le prochain pays européen dont le système bancaire révélera sa fragilité. Et ce n'est pas un pays, ça ne sera pas cette fois-ci un pays pesant 0,2% de la zone euro, ce qui est le cas de Chypre. Prochaine étape, vous le verrez, la Slovénie. Le coup d'après, l'Espagne, l'Italie. Le mal est fait aussi parce que l'Union européenne a donné une impression d'incompétence et d'absence de leadership dans la gestion de cette crise. Le mal est fait parce que le règlement de la crise chypriote fait reculer de plusieurs années la perspective de l'union bancaire. Le mal est fait parce que, étant forcé d'imposer le contrôle d'échange pour éviter la fuite des capitaux, le gouvernement chypriote va du même coup changer la valeur de la monnaie en circulation sur son île. Un euro chypriote ce matin, de facto, ne vaut déjà plus un euro européen. Le mal est fait parce que les marchés et les peuples savent que désormais la solidarité des contribuables des économies solides envers les pays fragilisés par la dette est limitée. Eh bien, c'est avec des impairs de ce genre qu'on détricote un ouvrage qui aura coûté tant de patience. Voilà, c'était la chronique de l'inaliénable Brice Couturier. Cette crise chypriote, Jean-Paul Fitoussi et Jean Quatremer, est-ce que vous considérez qu'elle affaiblit encore un peu plus l'Union européenne et en particulier l'Union monétaire, ou est-ce que d'une certaine manière, elle ne lui permet pas d'avancer, alors certes à tâtons, mais de tenir compte de ses erreurs pour essayer de trouver des mécanismes qui, petit à petit, perfectionnent le mécano, Jean-Paul Fitoussi. Non, elle souligne deux perversions des temps présents. La première, c'est que, après la crise financière, tout le monde parlait de lutter contre les paradis fiscaux. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et on a laissé prospérer au sein de tous les espaces géographiques, y compris de l'Europe, un paradis fiscal, en réalité, ce qu'est Chypre. Deux, ce que montre à nouveau la crise chypriote, c'est l'incapacité de l'Europe à prendre des décisions qui soient compréhensibles, qui soient assimilables par les populations.
Alors, on veut régler d'une pierre deux coups, à la fois le paradis fiscal et le problème financier des banques, mais on règle aucun de ces problèmes, puisque je ne vois pas, dans les mesures qui ont été prises, celles qui vont permettre de faire que Chypre ne redevienne pas un paradis fiscal immédiatement. Il n'y a pas la moindre correction d'imperfection, Jean Quatremer ? Un petit peu quand même, parce que notamment la fiscalité qui frappe les intérêts bancaires va être augmentée, je crois de 20 points de pourcentage, et il y a une petite augmentation de l'impôt sur les sociétés. Mais surtout, le fait que le paradis fiscal a été en quelque sorte liquidé. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, qui va aller planquer son argent à Chypre après ce qui vient de se passer ? Donc, de facto, il est liquidé. Mais cela dit... Non, mais c'est one shot. Oui, hein, voilà, absolument. Je suis d'accord avec vous. C'est une tax one shot. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut impérativement... impérativement aujourd'hui entrer dans une harmonisation fiscale. Cela étant, je rebondis aussi sur la chronique de Brice. Quand vous dites que ça retarde de plusieurs années l'union bancaire, je pense que c'est exactement le contraire qui va se passer. Parce que ce que ça montre, c'est qu'il y a une urgence à mettre en place cette urgence. Mais on fait le contraire. Non, parce que là, en l'occurrence, la supervision bancaire va être adoptée d'ici... Là, a été adoptée, je veux dire, la semaine dernière, et elle va être en place à partir du mois de janvier prochain. Là, il faut se rendre compte que si on avait eu les instruments... 2014, oui, janvier 2014. Donc, dans 6 mois, dans 8 mois. Il faut bien se rendre compte que si on avait eu cette supervision européenne, donc ça l'avait mis en place il y a 10 ans, au moment où on a lancé l'euro, le mécanisme européen de stabilité, aujourd'hui, aurait pu prêter directement aux banques. Et donc, ne pas accroître l'endettement chypriote. Un des problèmes, et donc la crise n'aurait pas eu lieu. Simplement, un des problèmes qu'a rencontré Chypre, c'est qu'il faut aujourd'hui que l'Europe prête à l'État ce qui augmente son endettement. C'est ça la raison de la crise. Donc, il a fallu effectivement trouver l'argent là où il était. Si on avait rompu ce cercle vicieux entre dette bancaire et dette publique, on ne se serait pas retrouvé dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On ne l'avait pas prévu, mais c'est peut-être dans les crises qu'on apprend le plus. Caroline Forest. Oui, non, mais vraiment, dans cette affaire, je crois qu'il y a tous les maux de l'Europe. Donc, et pour essayer de comprendre qui fait du mal en premier, Jean-Paul Fitoussier, vous dites que le problème originel, au fond, c'est de faire une monnaie sans harmonie fiscale, si je comprends bien. Mais vous dites que Chypre en a souffert, Chypre en a profité. Chypre a été ce paradis fiscal comme tous les paradis fiscaux qu'on laisse prospérer. Évidemment. Grâce au manque d'harmonie fiscale. Sauf que maintenant, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que cette reprise en main... qui va avoir des effets pervers puisque les capitaux vont en partie fuir, mais cette reprise en main, c'est le seul moyen. Enfin, ou dites-nous sinon, quel est l'autre, de commencer cette harmonie fiscale, puis de remettre de la fiscalité à Chypre. Donc, comment on fait pour faire cette harmonie, à un moment donné ? Alors, deux choses. Hein. La première, c'est que ce n'est pas le bon moyen pour mettre de l'harmonie fiscale. Si on veut mettre de l'harmonie fiscale, qu'on vote des dispositifs d'égalisation de taux d'imposition, de convergence de taux d'imposition. Dans tous les pays en même temps, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, je veux dire autrement. Donc ça veut dire beaucoup moins d'argent dans les caisses de l'État français, puisque nous sommes pratiquement le deuxième pays qui impose le plus ses citoyens. Donc si on harmonise, ça sera forcément vers le bas. Donc on va accroître la dette publique. Parce que les Français s'imaginent toujours que si on harmonise, ça veut dire que tout le monde va payer autant d'impôts qu'en France. Mais ce n'est pas le cas. Les Allemands ne l'accepteront pas. La question de l'harmonisation... évidemment pose de nombreux problèmes parce que il faut savoir comment on harmonise. Mais il me souvient qu'on parlait de cette question en 1995, il y a quelques années, bon, et qu'il y avait une harmonisation qui avait été décidée, et cette harmonisation n'a pas été mise en place du fait de l'opposition du Luxembourg. Voilà. Bon, alors on comprend qu'en réalité, le processus est long. Deuxièmement, Parce qu'on décide à l'unanimité au sein de l'Europe. Oui, je sais que c'est l'un des problèmes que je n'ai. C'est pour ça que ce n'est pas une démocratie. L'unanimité en démocratie, ça n'a jamais été la recette magique de la démocratie. Deuxièmement, que demande-t-on aux pays aujourd'hui ? On leur demande de gagner en compétitivité. Quel est le moyen pour les pays de gagner en compétitivité ? De jouer sur la fiscalité et sur les charges sociales, c'est-à-dire d'accentuer cette désharmonie fiscale. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Ou bien on veut aller dans un sens qui permet de faire une Europe solidaire, politique, etc. Ou bien on se dit chacun pour soi, allez, faites votre compétitivité et tout le monde se portera bien. Ce qui est une impossibilité absolue, sauf si on trouve une planète extérieure.
nous achèterait nos produits. Il serait là le péché originel, Jean Quatremer. On a autorisé la concurrence fiscale entre pays de l'Union européenne. En tout cas, c'est un des problèmes de construction recensés et avérés aujourd'hui. C'est d'avoir cette concurrence à l'intérieur même des frontières. Et on voit avec une Europe qui s'impose des règles à elle-même que les autres ne s'imposent pas. Non, mais je crois que Jean-Paul Fitoussi a tout à fait raison. Mais on l'a pas imposé. Elle existait avant l'Europe. Elle existait. Simplement, on n'a pas réussi à la réduire. Pourquoi on n'a pas réussi à la réduire ? Mais l'Europe aurait dû servir à ça, justement. Oui, mais alors, le problème, c'est que comment on négocie ? Comment on pourrait imaginer une harmonisation fiscale ? Il faudrait que les États, à l'unanimité, décident de modifier le traité pour décider à la majorité qualifiée qu'ils vont harmoniser leur fiscalité. Évidemment, comme le dit très bien Jean-Paul Fitoussi, c'est qu'il y a des États qui vont dire non. Chypre, le Luxembourg, Malte, la France, pour certains côtés, qui vont dire non, on n'harmonise pas. C'est totalement exclu aujourd'hui. C'est totalement exclu. Non, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, on apprend des crises. Donc ça, je pense que ce n'est pas totalement exclu. Je voudrais aussi insister sur un aspect, je crois que Jean-Paul Fitoussi a mis le doigt sur quelque chose, sur le problème démocratique et le problème politique de l'Europe. Parce que cette crise, moi j'étais plus d'accord avec l'imposition des dépôts bancaires, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle a révélé une absence de pilotage politique de l'Europe. Parce qu'ils n'ont pas été capables de vendre cette décision, celle du 16 mars, ils ont été incapables de l'expliquer, et surtout personne n'en est responsable, personne ne l'a assumé. Et donc Moscovici, le ministre français des Finances, qui sort de la réunion en disant « Ah ben moi j'étais plutôt pour la non-taxation, j'étais contre la taxation des dépôts de moins de 100 000 euros, mais je me suis rallié effectivement au consensus », et puis après et tout le monde a dit c'est pas moi, c'est le président chypriote. Mais alors quand quelqu'un s'est trompé, c'est la vérité, hein. Voilà, mais oui, mais tous les Européens étaient contre, c'est le président chypriote qui a dit pas plus de 10%. Mais quand quelqu'un s'est trompé, quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Il doit y avoir un organe démocratiquement élu qui sanctionne celui qui est responsable de se rater. Or là, il n'y a personne qui va sanctionner le Conseil des ministres sur l'Eurogroupe, parce que vous n'avez pas de Parlement de l'Eurogroupe qui contrôle ses ministres. Donc ce ne sont que des gens qui, dès qu'ils sont à Bruxelles, deviennent politiquement irresponsables. Et ça c'est un problème fondamental. Parce qu'à Chypre, qu'est-ce qui se passe ? Ben derrière l'Eurogroupe, ils vont chercher le responsable ultime et ils s'en prennent à qui ? À l'Allemagne. Et alors que c'est pas l'Allemagne, c'est une collectivité de ministre des Finances. Mais il faut bien que quelqu'un soit identifié comme responsable. Donc là, je pense qu'il y a le vrai danger pour l'avenir de l'Europe. Il est moins dans ces crises diverses et variées que sur celui de sa perte de légitimité démocratique. Perte de légitimité démocratique, c'est vrai qu'on est au cœur du sujet, Jean-Paul Fitoussi. Est-ce qu'on n'est pas d'abord là face à la responsabilité première des États ? C'est-à-dire qu'ils se sont, à la faveur de la crise notamment, laisser déposséder d'une partie de leur pouvoir au profit d'institutions qui, elles, du coup, sont un petit peu gênées. C'est ce que vous dites par exemple dans votre livre à propos de la BCE, c'est-à-dire la BCE qui n'ose pas aller trop loin parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de légitimité démocratique. Donc on est dans une affaire où, alors, voilà, on a des gouvernements qui sont élus démocratiquement mais qui refusent d'assumer pleinement leur pouvoir, des institutions qui ne le sont pas et qui doivent prendre des décisions. Non, c'est tout à fait ça. Mais il y a un élément fondamental. Bon, l'Europe est une enfant de l'économie, mais une orpheline de la politique. Quand je dis une orpheline de la politique, c'est qu'on a conçu, en réalité, des États qui sont de plus en plus fédérés, parce que leur pouvoir et le maniement des instruments qui sont à leur disposition, c'est rien. C'est la raison pour laquelle ils font de la concurrence fiscale, parce qu'ils n'ont rien d'autre que la réforme structurelle. La réforme structurelle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ce qui fait souffrir les gens. Voilà, en gros, c'est la bonne définition de la réforme structurelle. Donc, voilà ces États de plus en plus fédérés, qui en plus maintenant ont une disposition constitutionnelle d'équilibre budgétaire interne. Donc, ils sont vraiment des États fédérés, des collectivités locales. Et voilà une Europe qui dispose des instruments, mais qui n'a pas la légitimité de les utiliser avec flexibilité. Donc, on est en réalité dans la situation de demi-citoyens. Ça, ce sont les nouvelles institutions qui ont permis ça, Jean-Paul Fitoussi. Non, c'est depuis toujours. Depuis toujours. Nous sommes des demi-citoyens. Nous avons le droit de voter aux élections régionales, mais on est interdit de vote aux élections nationales. En gros, c'est ça. Je suis d'accord. En gros, c'est ça. Et je veux dire, le drame ici est politique au sens noble du terme. Parce que les partis de gouvernement ont perdu
toute crédibilité. Vous changez de parti, vous ne changez pas de politique. Oui, c'est dès le départ que cette Europe a été fondée comme ça. Je vous rappelle que la France, en 1957, quand on a négocié le traité de Rome, c'est le pays qui s'est opposé à l'Allemagne en refusant que le Parlement européen ait le moindre pouvoir, parce que la France ne supportait pas l'idée de la fédération. Mais c'était pas très gênant, parce que pendant 40 ans, l'Europe, elle s'est occupée du marché intérieur, de politique agricole commune, d'harmonisation des normes des boîtes de petits pois. Que ce soit pas très démocratique, honnêtement, tout le monde s'en fiche. Mais le problème, c'est qu'en l'espace de 10 ans, on est passé des boîtes de petits pois à la monnaie, on est passé à l'économie, au budget, etc. Et là, ça n'est plus possible de continuer avec une construction aussi adémocratique, hein, qu'est l'Europe aujourd'hui. Non, mais ça va même plus loin, ce que dit Jean-Paul Fitou aussi. Ça veut dire que même si le Parlement européen avait davantage de pouvoir, il en a quand même un peu plus depuis le traité de Lisbonne. Oui. Il peut se prononcer sur le budget, il peut mettre son veto, on verra bien si ce sera le cas. Pas sur les politiques budgétaires et politiques économiques globales de la zone euro. Il n'a aucun pouvoir. Il a été tenu complètement à l'écart. Mais il a un pouvoir sur le budget global européen de l'Union, l'Union européenne. Mais imaginons que le Parlement européen ait davantage de pouvoir. Ce que dit Jean-Paul Fitoussi, c'est que de toute manière, ça ne changerait pas grand-chose, c'est bien ça, à la politique qui serait suivie, parce qu'on applique d'abord des règles avant de faire de la politique. Évidemment. C'est ça, Jean-Paul Fitoussi. Évidemment. Bon, un exemple. J'ai pendant longtemps conseillé le Parlement européen lorsqu'il auditionnait le président de la Banque Centrale Européenne. Et jusqu'au moment où je me suis aperçu que c'était un exercice vain. Parce que le président de la Banque Centrale Européenne n'est pas responsable devant le Parlement européen. Donc le Parlement européen peut lui faire les critiques les plus terribles qui soient, il ne modifiera pas d'un iota sa politique. Alors que dans les pays normaux, si je puis dire, entre guillemets, le Parlement européen, le Parlement, a le droit de modifier le statut de la Banque centrale. De sorte que la Banque centrale est obligée de l'écouter. Enfin, ça n'arrive jamais. Mais la menace est suffisante. La menace est suffisante pour que, d'abord, la Banque centrale se sente comme faisant partie d'une démocratie. Et tienne compte de ce qui lui est dit par le Parlement. Moi, je fréquente assez pas mal Francfort et je me rends compte à quel point, contrairement à ce que vous dites, le fait de ces auditions devant le Parlement européen touche énormément le directoire. Et eux-mêmes n'arrêtent pas de dire il faut qu'on soit reconnu légitime par le Parlement et par les opinions publiques. Parce qu'on ne peut gouverner que tant qu'on est considéré comme légitime. Le jour où ça n'est plus le cas, on s'effondre. Le système s'effondre, c'est la confiance. Caroline Forest. Au fond, la question qui est posée et qui est peut-être un dilemme terrible à résoudre, c'est est-ce que la démocratie est possible à une si grande échelle et à un tel niveau de complexité ? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans l'histoire ? Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire une monnaie sans un gouvernement politique ? Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire autre chose que des empires ou des gouvernements autoritaires pour de telles échelles, sachant que ça suppose une délibération dans plusieurs langues ? Que si même on instaurait des institutions politiques avec un vote, imaginons, symbolique au suffrage universel d'un président européen et en tout cas des parlements européen avec des listes communes. Est-ce qu'on est capable d'imaginer des citoyens de demain qui vont pouvoir s'approprier cet exercice démocratique dans plusieurs langues avec autant de leviers et d'institutions ? Est-ce que vous y croyez ou est-ce qu'on est condamné à devoir se replier sur des espaces plus petits, nationaux voire régionaux, et à défaire l'Europe et à retrouver les démons qu'on avait voulu empêcher. On avait justement mardi dernier un historien belge, David Engels, qui expliquait que l'Europe n'avait pas d'autre choix que de soit justement aller vers ces micro-États, donc aller vers une forme de nationalisme voire de régionalisme, soit se transformer en un empire autoritaire, ce qui est le seul issu d'après lui pour sortir du dilemme que vous évoquez, Caroline Forest. Alors votre réponse, Jean-Paul Fitoussi. Oui, non, moi je crois qu'on est condamné à avancer. Bon, on est condamné à avancer pour plusieurs raisons. C'est que rien n'est pire que la situation actuelle. Mais ça veut dire quoi, avancer ? Avancer vers où ? Vers d'abord le politique. Vers le politique. Vers la démocratie. Rien n'est pire que la situation actuelle. Vous me dites, débattre en plusieurs langues, c'est compliqué. Mais vous ne croyez pas que c'est compliqué d'avoir un taux de chômage de 60% parmi les jeunes Espagnols ? Vous ne croyez pas que c'est compliqué d'avoir un taux de chômage de 27% parmi l'ensemble de la population espagnole ? Même chose en Grèce. Non, mais je dis Grèce, simplement, pardon, Jean-Paul Fitoussi, que c'est plus simple d'expliquer à des peuples dans une seule langue que c'est la faute à l'Union européenne plutôt que de leur dire non, parce que quel est le choix économique dans plusieurs langues. Les peuples ont compris le double jeu. Ils ont compris que les gouvernements allaient prendre des décisions à Bruxelles et imputer la décision à Bruxelles plutôt qu'à eux, alors que c'était eux qui prenaient la décision. Non, je veux dire, les peuples ont compris, ça fait longtemps, on les a abusés. Je ne crois pas que les peuples soient stupides. J'ai toujours fonctionné en faisant l'hypothèse de rationalité des peuples, peut-être plus grande que celle de leur gouvernement. Bon,
Jean Quatremer, est-ce que les États aujourd'hui ont les moyens pour se réapproprier une partie du pouvoir politique qui leur échappe ? Non, attendez. Les États sont tout à fait satisfaits de voir que qu'ils aient d'exercer le pouvoir politique dans des instances qui ne sont pas contrôlées démocratiquement, qui sont totalement opaques. Vous savez, si le Conseil européen a acquis tous les pouvoirs qu'il a acquis depuis 3 ans, c'est parce que Nicolas Sarkozy et la chancelière Angela Merkel l'ont voulu. Ils sont ravis de cette espèce d'irresponsabilité démocratique devant leur peuple. Donc c'est ça qu'il faut changer. Alors moi, la question de la taille, je trouve que c'est une question intéressante, parce que c'est vrai, c'est un espace de 500 millions, etc. Ça serait la première fois. Oui, mais l'Europe, c'est une première où 27 pays qui se sont fait la guerre pendant des centaines d'années ont décidé de partager volontairement leur souveraineté. 27 et bientôt 28. Bientôt 28. Quand on a lancé le projet en 55-57, personne n'y croyait. Les Anglais, les premiers, ont quitté la table de négociation disant ce projet est absolument inimaginable. Même pour un marché unique, ils n'y croyaient pas. Donc, finalement, on a quand même, en 60 ans, on a pas mal progressé. Alors, je ne dis pas que demain, on va avoir une démocratie à l'américaine, mais doucement, on peut s'en rapprocher. Et regardez, il y a des espaces multilingues qui fonctionnent bien. Alors, bon, la Suisse, ça n'a pas la taille de l'Union européenne, mais la Suisse fonctionne très bien. On peut prendre l'Inde aussi. Le Brésil n'est pas multilingue, mais c'est un pays continent. Et les seuls espaces qui fonctionnent, qui pèsent dans le monde aujourd'hui, justement, ce sont des espaces continents, comme cela. Donc, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des défis. Ce sont des espèces qui sont en crise sur la question beaucoup des valeurs, de faire société. Et du coup, on va avoir cette concurrence entre ceux qui ne vont pas avoir envie d'aller vers des espaces où on défait le lien en termes de valeurs pour gagner en lien économique. Et la question que je posais aussi, c'est comment on fait pour désapproprier des États et transférer des États aux citoyens leur pouvoir quand ces États font croire aux citoyens qu'ils ont que moins de souveraineté, c'est moins de pouvoir pour les citoyens. Ça doit venir des citoyens. Non, mais on ment aux citoyens en faisant croire que les États ont du pouvoir. Mais il y a un problème aussi fondamental qui est que, en réalité, les États n'ont plus de pouvoir, sauf celui de la dévolution des emplois et des postes prestigieux. Voilà, c'est ce qui demeure aux États et ils y tiennent. Ils y tiennent. Brice Couturier. Moi, je voudrais revenir à la question de chiffres. Parce qu'on a quand même là affaire à un petit État microscopique, 1 100 000 habitants, qui a été accepté dans l'Union européenne et dans la zone euro, alors même qu'il avait refusé le plan des Nations unies pour le règlement de la question turque dans son île, qui a été accepté donc dans des conditions qui sont étranges, qui a été accepté également, alors qu'on le sait depuis le début, c'est une économie de casino qui sert de cheval de Troie aux Russes dans l'Union européenne. Pourquoi a-t-on accepté ce pays ? Maintenant, il y a un autre problème, c'est que quand l'Union européenne, très clairement, va casser cette économie casino en supprimant une des deux grandes banques grecques et en faisant fuir les capitaux russes qui vont aller se cacher ailleurs. Mais les chypriotes nous disent c'est bien gentil de s'attaquer à notre économie casino et à notre plateforme bancaire, à notre espèce de porte-avions bancaire ancré en Méditerranée, mais que faites-vous du Luxembourg ? Après tout, on nous reproche, nous chypriotes, d'avoir 8 fois dans nos banques des dépôts bancaires qui sont 8 fois supérieurs à notre PIB, mais dans le cas du Luxembourg, c'est 18 fois. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans une zone euro qui est régie par quelque chose d'étrange, qui est la norme juridique, qui est un marché commun, mais dans lequel on disait à plusieurs reprises au cours de cette émission, il n'y a pas de leadership politique. Et du coup, évidemment, quand on est face à des crises, tant que les choses roulent et que la mer est calme, la norme suffit à réglementer le marché. On a le marché le plus civilisé de la planète, c'est formidable. Mais quand on est en période de crise, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et c'est quand même ça le fond du problème. L'Europe n'est pas bâtie pour surmonter les crises, Jean Quatremer. Il ne fallait pas accepter Chypre dans l'Union européenne et a fortiori dans l'Union monétaire. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Brice. C'est un peu compliqué. Pour ça que j'essaie de résumer en une question. Je trouve très fort, d'ailleurs, je suis très admiratif. Et je me dis que quand même, c'est un talent d'animer une émission. Vous êtes ça parce que vous m'avez traité de petit bourgeois tout à l'heure. Voilà, je me rattrape, je rame comme un malade depuis tout à l'heure. Non, et là où vous posez une question juste, Brice, c'est pourquoi est-ce qu'on a accepté Chypre ? C'est une série de lâchetés européennes. Je veux dire qu'en 2004, il faut savoir qu'on avait dit, dès les années 2000, qu'on accepterait Chypre que si l'île se réunifiait. Et en 2004, il y a eu un vote, un référendum, sur le plan Annan, et Chypre du Nord, donc occupé par la Turquie, a voté oui, pendant que Chypre du Sud a voté non. Ça aurait dû bloquer immédiatement l'adhésion. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, à Bruxelles, c'est la somme des lâchetés politiques nationales qui s'est retrouvée, et on a laissé entrer un pays qui, politiquement, n'était pas prêt. Et en plus, dont sa vie tous, mais absolument tous, que c'était une économie casino. En 2008, rebelote. On les laisse entrer dans l'euro, sachant parfaitement que son économie est totalement pourrie. Mais c'était pareil pour la Grèce. Pourquoi est-ce qu'on a laissé entrer les Grecs en 2002 dans la zone euro ? Et
C'est pas très compliqué, finalement, Jean-Paul Fitoussi. Si c'était une erreur qui a laissé rentrer. Alors, si on raisonne comme ça, on n'aurait jamais fait l'unification allemande. Après tout. On n'aurait jamais laissé l'unification des États. L'unification de l'Italie ne se serait jamais faite. Donc il faut comprendre que l'unification n'est pas l'unification du pareil au même. L'unification est l'unification d'une région hétérogène, de pays hétérogènes. Donc il faut. Et en plus, vous dites que c'est la somme des lâchers des États, mais c'est aussi l'intérêt de quelques États. Il me souvient qu'à l'époque, il y avait un rapprochement évident. Je l'ai vécu de l'intérieur, entre l'Allemagne et la Russie, et qu'il était presque parti de la négociation de faire entrer Chypre dans l'Union européenne et dans la zone euro, parce que l'Allemagne avait besoin. Je ne dirais pas par décence ou travail, M. Schröder. Bon. Gazprom, je vais le dire. Allez, viens, voilà. C'est Gazprom. L'ancien chancelier allemand. Alors, essayons un petit peu de résumer. L'Europe économique, financière est à peu près construite. L'Europe politique, elle peine à voir le jour. Peut-être aussi que pour donner davantage d'unité à l'Union européenne, il faut qu'il y ait un sentiment partagé par l'ensemble des Européens. Vous allez comprendre où je veux en venir, puisque je vous propose d'écouter le correspondant à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est un des grands journaux allemands. Il s'appelle Olivier Gaez et il explique que s'il n'y a pas de sentiment européen aujourd'hui sur notre continent, c'est par l'affaiblissement de l'espace culturel européen. Il s'en explique au micro de Tanguy Blum. Une Europe plus charnelle, c'est une Europe qu'on pourrait vraiment respirer, qu'on pourrait sentir. Par exemple, prenons les billets en euros. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas été capable d'illustrer ces billets, sinon par des arcs et des ponts factices. On a suffisamment de génie dans l'histoire européenne, des personnalités qui parleraient à l'ensemble du continent et qui pourrait permettre aux Européens de s'identifier. Si on prend par exemple le quartier des institutions européennes à Bruxelles, on ne peut pas faire moins sexy que ce quartier qui est froid, qui est en béton, qui est en verre et auquel il est impossible de s'identifier. Et l'Europe, en fait, n'a quasiment pas de marqueur. Il y a ce drapeau qui est assez terne, mais qui a au moins le mérite d'exister. Il y a une espèce d'hymne européen. Mais pour le reste, le peuple européen, si tant est qu'il existe, n'a aucun moyen de s'identifier à la construction européenne. Et c'est ce que j'appelle en fait le manque d'Europe charnelle. C'est que la façon dont les nations européennes se sont construites au XIXe siècle, avec une espèce de folklore, de récit fondateur, qui a permis au fur et à mesure à des populations qui étaient très diverses à s'identifier à une nation. Alors on ne va pas recommencer une construction d'une nation européenne, ça ne peut pas marcher, c'est pas le but. Mais il y aurait quand même moyen de rendre cette Europe beaucoup plus sexy, beaucoup plus attirante, et donner aussi un horizon, faire rêver les peuples européen qui aujourd'hui, à quelques très rares exceptions, connaissent de très grandes difficultés économiques qui se traduisent par de grands problèmes politiques. À Olivier Gaez, le correspondant à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alors quand on, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, quand on proposait des émissions consacrées à l'Europe, en général on se disait, bon bah faut bien en faire, mais ça va finalement ennuyer tout le monde. Il y a quand même peut-être un bon côté dans cette crise, Jean Quatremer et Jean-Paul Fitoussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, on en parle comme d'un sujet politique, presque comme on parlerait d'un sujet politique franco-français. Est-ce que ça, c'est pas déjà quelque chose de réjouissant aujourd'hui au niveau de l'Union européenne? Et ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu en passer par une crise d'une violence extrême et qui a des coûts humains incroyables. Mais c'est vrai qu'enfin en France, on a le sentiment que l'Europe fait partie du débat politique. On a encore vu les excès du parti de gauche ce week-end à Bordeaux, mais c'est dans le débat politique. Les 17 salopards. Voilà, les 17 salopards. Je veux dire qu'on est aujourd'hui, c'est un peu à l'anglaise. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein, évidemment. Mais au moins on en discute. Je rappelle que tout à l'heure vous parliez de l'appropriation par les citoyens de la question européenne. En mai prochain, mai 2014, hein, quasiment pour le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, c'est une date éminemment symbolique, il y a des élections européennes. Ben, il faut que les Français sachent, que vos auditeurs sachent, qu'il faut aller voter. Il faut arrêter d'aller à la pêche le jour des élections européennes. Parce que le Parlement européen a des pouvoirs. Le Parlement européen peut être à l'origine, géré d'une révolution citoyenne. Mais il a des pouvoirs, vous nous avez plutôt dit qu'il en avait oui, pas tant que mais, ça tout mais, à l'heure. Alors, il pourrait très bien, par exemple, dire ben, je m'érige en constituante, par exemple. Il
pourrait le faire. C'est-à-dire, on pourrait faire un serment du jeune paume européen, mais c'est pas avec 40% des citoyens européens qui votent qu'il peut faire ça. Si 80% des citoyens européens vont voter, ils votent pour des gens qui ont un programme européen et pas parce qu'ils ont un problème de chauffage dans leur immeuble, et bien à ce moment-là, peut-être que les choses pourraient changer. S'ils se désintéressent, cette Europe technocratique, cet empire bienveillant, adémocratique dont vous parliez tout à l'heure, et bien ils risquent de se mettre en place. Mais là, il faut quand même, on a une responsabilité citoyenne. La malbouffe, c'est nous, mais l'Europe adémocratique, c'est aussi nous. On retrouve un petit peu une ambiance qu'on avait connue à la fin de la campagne référendaire en 2005, Jean-Paul Fitoussi. Oui, sauf que derrière, après, on a perdu enthousiasme. Non, on a perdu l'enthousiasme du débat. En tout cas, cet intérêt politique pour le débat européen. On a perdu l'enthousiasme du débat, mais maintenant, il y a un rejet de l'Europe. Il faut quand même appeler un chat, il y a un rejet de l'Europe dans tous les pays où je vais, en Europe. Qu'il s'agisse de l'Espagne, qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse de la Grèce, enfin, il y a un rejet violent de l'Europe et il y a des partis politiques qui émergent avec comme programme la sortie de la zone euro. Donc il faut comprendre qu'on est dans un moment dangereux. Et si le politique ne revient pas donner un futur, ne revient pas donner un peu d'espoir, ne revient pas dire aux parents, attention, on va trouver des emplois à vos enfants, parce que être parent en Espagne, ça doit être un crève-cœur. Non, mais vraiment. Donc, s'il n'y a pas un peu d'espoir qui est redonné par le politique, alors je ne vois pas où on va. Caroline Forest. Tout le monde sait que, effectivement, cette fureur contre l'Union européenne est à un tel degré que c'est un pile ou face et qu'on va soit vers vraiment le retour des nationalismes ou dans sa pire période, soit on va de l'avant. Mais parmi ce qui peut nourrir évidemment ces fureurs, il y a le fait que l'Europe apparaît comme celle qui appose toujours la solution du régime, de l'austérité, de la souffrance. Il y a une piste qui est évoquée notamment par Jacques Attali, mais qui est plus ancienne, qui est de faire en sorte que, enfin, cette entité européenne soit aussi un moteur pour des politiques de relance, notamment grâce à la taxe sur les transactions financières qui pourrait alimenter un budget commun, mais ensuite grâce au fait que cette entité européenne, contrairement aux États qui la composent, n'a pas de dette aujourd'hui en tant qu'entité juridique et pourrait lever des capitaux, pourrait lever des fonds à des taux très très bas qui permettraient d'imaginer, pourquoi pas, d'immenses politiques de relance qui la rendraient peut-être plus populaire. Jean-Paul Fitoussi aussi. C'est vrai. Bon, la Commission européenne pourrait emprunter aussi. Parce que la Commission européenne n'a pas de dette. Et elle a la possibilité d'en avoir une. Vous dites dans votre livre qu'il faudrait créer un titre de dette unique pour la zone euro. Voilà, mais disons, essayons de contourner les choses en les rendant irréversibles. L'une des façons de faire, c'est de dire comment on a vidé l'espace de la spéculation sur les marchés de change en Europe, en créant la monnaie unique. On a fait disparaître les marchés de change intra-européens. Si on avait créé un titre unique de la dette européenne, on fait disparaître l'espace de spéculation sur les marchés de la dette. Mais le fait de créer un titre unique de la dette implique un gouvernement, implique une autorité fiscale européenne et donc une levée de fonds. Vous dites, Jean-Paul Fitoussi, pardonnez-moi, il faut contourner les choses, est-ce qu'il ne faut pas carrément les modifier? Est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle constitution à l'Europe ou une véritable constitution à l'Europe, beaucoup plus simple et qui laisse la part belle, justement, à l'action politique? Regardez combien de temps on a perdu avec le débat sur la constitution pour adopter un monstre, quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Non, là, on a des problèmes concrets, raisons. On peut les résoudre de façon concrète. Personne n'empêche actuellement de créer un titre unique de la dette. Personne n'empêche cela. Soyons pragmatiques, Jean-Claude Tremaire. Ça pourrait être l'injonction adresser. La solution que suggère Jean-Paul Fitoussi est une solution d'évidence. Et d'ailleurs, si par exemple Mario Monti a perdu les élections en Italie, c'est parce que l'Allemagne, à trois reprises, lui a refusé cette communautarisation d'une partie de la dette. Mais en même temps, moi, je comprends un peu les Allemands. Parce que tant qu'il n'y a pas de gouvernement politique, tant qu'il n'y a pas de fédéralisme, c'est comme si on donnait sa carte bleue à quelqu'un, un inconnu dans la rue, avec son numéro, de code, et qu'il puisse faire les dépenses qu'il veut. Moi, c'est vrai, je ne veux pas me sentir responsable aujourd'hui si je ne contrôle pas le gouvernement italien, des dépenses du gouvernement italien ou allemand ou espagnol. Je pense que là, il y a un vrai problème de démocratie. Je crois que c'est pure hypocrisie, parce qu'en réalité, les Allemands ne veulent pas d'une union de transfert. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Très brièvement, c'est que les transferts vont des pays du Sud vers l'Allemagne. Pourquoi? Et la France, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'Allemagne et la France peuvent emprunter à des taux quasiment nuls, parce que les capitaux viennent des pays du Sud. Donc le gain, le transfert, le montant du transfert fait par les pays du Sud vers les pays riches est énorme.
est considérable. L'union de transfert se fait à l'envers de ce que disent les Allemands. Jean-Paul Fitoussi, Jean Quatremer. Alors, je ne sais pas si vous entendez la petite musique que nous avons lancée. C'est du Ludwig van Beethoven. Alors, ce n'est pas l'hymne à la joie. Hein. Vous les collez à l'actualité européenne, mais pas complètement non plus. Mais Beethoven s'impose aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire de sa mort. Beethoven qui est mort le 26 mars 1827 à Vienne, en Autriche. Voilà, c'est sur un petit peu de musique que l'on se quitte. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Jean-Paul Fitoussi, Le théorème du lampadaire au lien qui libère. Pour suivre Jean Quatremer, c'est dans Libération, c'est sur votre blog. Et vous avez oublié tout à l'heure de citer le dernier livre auquel j'ai participé, qui est Debout l'Europe de Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit. Vous menez l'entretien. Voilà, je fais l'entretien, et qui est un appel à un fédéralisme européen, à une politique européenne. Et ça, véritablement, ça ouvre, ça donne de l'oxygène au débat européen. Allez.